ses œuvres puis devant sa face. Adorable ton Père, ma Jésus-Christ, au même qui tient de gloire, qui tient de louange, qui tient d'adoration, au même qui dit Seigneur, que des amants pour tous, qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est maintenant, combien de nous qui changent, combien de nous qui fatiguent, combien de nous, Seigneur, qui besoin de repos. Il y a un repos que nous ne pouvons pas jouer dans le monde. Il y a un repos médicament par cabale. Mais Seigneur, c'est seulement vous-même qui cabale repos. Maintenant, Seigneur, nous humblement prosternés. Nous humblement, Seigneur, approchés. Parce qu'on dit, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Afin que nous puissions retrouver grâce et au capable de secourir nous dans le besoin de nous. Seigneur, Seigneur, nous venons approcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous parlons, nous pas dire, mais Seigneur, puisqu'on dit, Seigneur Dieu, qui veut aller, que je t'ai parlé avec Esaïe, Esaïe te dit, me voici, envoie-moi, Seigneur. Il te dit, malheur, moi, je suis perdu, mais Seigneur, on n'a pas purifié leur vie, et Seigneur, ma mère, on n'a pas purifié leur moi. On va purifier, Seigneur Dieu, l'Église. On va bailler nos oreilles, Seigneur Dieu spirituel. Nous capables d'entendre. Nous parlons, nous va faire pousser dans la vie. Et nous parlons le Seigneur qui va servir en vrai dans la vie. Et va permettre à ce que nous va poser fruit. Nous va grandir à tous égards. Seigneur Dieu puissant. C'est pour ça que nous prions. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est tout. Quand Dieu va prier, au ciel des cieux. Amen. Bon Dieu, mais nous maintenant, nous vous disons Dieu merci pour vous grâce, pour l'amour, la compassion, miséricorde envers nous. Nous saluons courageux maintenant, malgré le frédien, mais vous faites fort, vous venez dans la présence de bon Dieu matin. Nous disons bon Dieu, merci pour ça. Et nous voyons que bon Dieu pas manger courageux. Combien vous dites quoi ça? Bon Dieu pas manger courage. Donc, nous disons bon Dieu merci. Même Jean, apôtre Paul, il dit ça. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sache que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Travaille-nous, on n'est pas en vain dans le Seigneur. Mais travaille-nous, on est bien pour le récompenser. Donc, je passe le télé. Non, pas nous, c'est Frère John pour 10 jours. Nous mariés, nous avons une petite fille. Et nous ne pouvons pas dire nous mariés parce que nous avons papier. Nous avons papier. Nous avons une petite fille. Donc, moi, je viens quand Vina va faire nos 5 ans de mariage. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous avons 10 ans. Et puis nous avons prêché l'évangile. Et son grâce, bon Dieu, fait nous. Nous disons, bon Dieu, merci. Pour grâce à. Nous ne faisons pas millions de 400 maros. Nous ne faisons pas millions de maros. Son grâce, bon Dieu fait nous. Et parce que nous voyons Haïti comme un jeune garçon, comment il remplit la dedans il a passé. Mais nous-mêmes, son grâce, son faveur, immérité. Si bon Dieu fait nous, nous allons camper pour nous parler, pour lui. Nous allons prêcher l'évangile, son grâce, son faveur, immérité. Donc, il y a un texte, nous gagnons là. Par contre, si c'est lui qui a mis le boulot. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24, là, il dit, les a fait concours, pour qui est-ce qu'ils vont courir plus vite? Tout le monde qui est pour courir, mais c'est le seul qui est pour prendre le premier brillant. Nous comptons ça va vrai. Eh bien, nous-mêmes tout, courir pour nous gagner pour cela. Si nous ne pouvons pas là, courir pour gagner pour cela. Donc, l'évangile de son course, l'évangile de son combat, l'évangile de son bataille. Donc, lorsque nous avons course, athlètes, sportifs,
lorsque yon a combat ça, lorsque yon connaît, yon a une compétition, yon a une course, yon a mené, yon connaît, yon a une façon pour comporter, yon pour remporter course. Et après quoi, lorsque le finit, il dit oui, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pour nous gagner pour ça, nous besoin au bagage qui est les disciplines. Et c'est ça qui fait en pile chrétien, en pile leader, parce qu'à réussir la course là, c'est parce qu'il n'y a pas de disciples. Parce que la course là, si on parle de discipline, si on parle de principe, on va pas réussir à remporter la victoire pour ça. Le premier leader qui a fait échec dans la course qu'elle t'a mené, puisqu'elle n'a pas de discipline, il a fait Saül. Dans 1 Samuel, chapitre 15, vous appelez ensemble avec moi. Dans 1 Samuel, chapitre 15, il y a un peuple qui est peuple Amalek. Lorsque le peuple Israël t'a sorti, quitté l'Égypte. Il a dit nous, peuple Amalek, ça t'a barré chemin pour peuple. Venu pour un moment, vous dites qu'il changeait le peuple ça. Et il dit, il parle de Saül pour aller détruire le peuple ça qui c'est peuple Amalek là. Lorsque il va bailler Saïd, principe bataille là. Et il dit Saïd, on va détruire le peuple là, mais on va prendre rien. Et tout ça, je viens sous vous tout, on va détruire tout. Si vous appelez dans 1 Samuel 15, verset 15, il dit nous, lorsque la bataille a fini faite, et puis, Saïl, depuis ses bœufs, depuis ses brebis, l'ouvre qui gras, il tourne avec eux, il pas détruit eux. Et bien, bon Dieu te dit, tout son joint sous vous tout, te dit tout. Mais Saïl, il s'en fait, bœuf qui gras, cabrit qui gras, mouton qui gras, les prions, les pas détruits. Et lorsque Dieu parlait avec Samuel, il dit Samuel comme ça, eh bien, Saül font des ordres. Mais ça, Saül fait. Il dit Saül, vous ne détruisez pas mal les gars. Saül, pas détruit peuple là. J'en détruis, vous ne détruisez là vraiment. Parce que je dis, il garde dans un rien. Mais ça y est, les grands bœufs braillent, ils tournent avec eux. Et Samuel dit ça y est, qui bœuf ça a été dit à prier derrière la caroua? Ça y est, ce peuple-là, eh bien, il y a des grands bœufs ça pour être capable de faire sacrifice pour l'éternel, pour l'éternel. Samuel dit, mais mon Dieu parti au courant, en yé, mon Dieu était tout pour détruire tout son jeune sous tout. Et puis, qui ça, Saül va dire? Saül, verset 7, Saül parti à Amalek, depuis Avila jusqu'à Chaud, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il ne voit pas interdit tout le peuple en passant au fil d'épée, verset 9, mais Saül et le peuple épargna Agag, les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il avait de bon, il ne voulut pas les dévouer par interdit. Saül, en tant que leader, il n'est pas tendu
la voix de Dieu et ne peut plus soigner ce peuple-là qui t'a décidé pour ça. Et mon Dieu, pas par la pub là, ça arrive quelque part. Et lorsque Saül n'est pas contre nos courses, n'est pas contre nos batailles, et Saül parle de bien nos batailles là, Saül parle de toutes les batailles, et la Bible a dit, dans verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour moi, car il se détourne de moi. Il ne se voit de parole. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel fâché. Samuel a crié devant mon Dieu. Mon Dieu dit regrette de faire. Ça est droit. Parce que ça est parlé. Ça est désobéi la parole de Dieu. Et c'est là que ça est mal perdu. Royauté. Parce que nous pouvons consulter nos courses. Il va te discipliner. Il va discipliner la ville. Et dans le verset qui va, là, tu te retires de ça pour faire sacrifice pour mon Dieu. Samuel va dire obéissance vaut mieux que sacrifice. Quel que soit sacrifice que tu es capable de faire, matin ou bien dans la vie, mais obéissance il vaut mieux que le sacrifice. Et quel que soit le domaine de la vie, il y a besoin de discipline. Appelez-vous pour manger, il y a une façon pour manger. Il y a une manger pour manger. Il y a une lèvre pour lever. Nous-mêmes, nous avons un travail, nous avons une discipline, nous avons une tête, nous depuis 5h05 pour nous rembourser. Nous avons une lèvre pour nous rentrer. L'évangile là aussi. Pour nous mener vie ça à votre vie. Lorsque nous avons couru, lorsque nous avons course là, c'est pour nous courir de façon pour nous remporter le prix. C'est pas tout le monde qui a couru qui a fait le premier prix. Mais c'est nous qui courons suivant les règles, les principes et les disciplines. Et monsieur qui parle sous le principe ça, soit pris dans Daniel chapitre 1er, ou pas loin quelques Shadrach, Meshach, Abednego, ou pas loin next à eux, même te connaît, nous te nous pousse. Monsieur ça te connaît. Il y a une bataille à mener. Il dit nous, c'est gagné dans la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, qui est roi de Babylone, il était marché contre Jérusalem, était assiégé Jérusalem, était rentré, il était pris tout ça dans le pays, tout le monde qui était dans le pays, tout est rentré avec lui dans Babylone. Je dis nous, parmi messieurs, nous devons trois messieurs, eh bien, pour servir dans la maison roi, qui c'était Daniel, nous avons dit nous avons Shadrach, Meshach, Abednego, nous avons devenu changer. Mais nous, c'était Daniel, qui c'est Belshazzar, et Anania, Shadrach, Michael. Et lui de Meshach, qui a devenu Azaria, celui d'Abednego. Vous êtes nous. Monsieur Sayo, lorsque vous venez retirer au service de roi, vous commencez à dire, nous ne pouvons pas manger, manger roi pour être suivi roi. Mais monsieur Sayo qui connaît nos courses, mais monsieur Sayo qui connaît, manger roi, c'est manger qui souillé, divé roi, c'est divé. Que l'on offrit avec idole. Monsieur on dit, certainement, nous ne pouvons pas manger ça, nous ne pouvons pas boire, divers ça. Et monsieur, il est
à Joc, qui c'est responsable qui a parlé avec moi, qui n'a pas eu de manger. Il dit, s'il vous plaît, ben nos légumes avec l'eau pendant 10 jours. Parce que je ne suis pas capable de manger. Je mange ça. Vous connaissez que le monde est un peu fierté pour lui, pour le manger. Il a mangé roi, pour boire, divin roi. Mais monsieur, vous connaissez. Manger ça va pour lui. Monsieur, vous connaissez. Divin ça va pour lui. Parce que vous connaissez. Vous poussez. Vous aimez nous. Combien de matières qui connaît ou non course des musiques qui parlent pour vous, des cotons pas de aller, des cotons pas de chita, des mangeons pas de manger. Et messieurs, on dit nous pas manger, manger ça. Et la Bible a dit, il y a messieurs aux légumes, il y a de l'eau pendant 10 jours. Et nous disons, visage monsieur, pifré, parce que c'est le qui t'a mangé le soir. Vous aimez nous? Nous disons, visage monsieur, pifré. Et nous disons, monsieur, sois brillant, Daniel, chapitre 1er. Nous disons, monsieur, trouvez grâce et faveur dans mes mots. Ça fait nous du matin où on course. Il faut qu'on courir en façon pour remporter le prix. Et vous allez voir que Dieu va venir penser, messieurs. Dans le chapitre 2, on va faire un songe. Pas de monde qui va expliquer son genre. Et puis, on va aller avec tout magicien, on va aller avec tout malfaiteur, tout astrologue. Il dit, monsieur, nous faisons songe, moins lié songe là, faire songer songe là et bonne explication songe là. Mais qui t'a pour dire avec, mais qui t'a mangé avec, il dit, si nous pas qu'à bonne explication songe là, m'a tué nous tous. Et puis les bagages arrivent dans les oreilles de Daniel. Daniel dit, mais pour qui ça? S'entend ça, c'est faire comme ça. Et monsieur, il n'y a pas de monde sous la terre qui a fait un bagage comme ça, qui peut faire une explication comme ça. Imaginez, le pasteur fait un rêve, il vient de côté, il dit, il fait un rêve, il oublie un rêve là, pour me dire qui rêve lui fait, et pour me faire l'explication rêve là. Ce bagage est terrible, qui est vraiment difficile et impossible. Et lorsque Daniel entendait ça, Daniel dit, Menem Gautoua. Et lorsque le Mene Gautoua dit, parmi un terre, parmi un titan, moi la prière mon Dieu. Et si Daniel te prête du vin, si tu manges dans manger, par les comment pour te jouer des révélations. Et de côté, pour arriver. Il y a des bagailles pour jouer dans l'évangile. Ou besoin de position. Ou besoin de discipline sévère. Et à rapport de partie, je traite durement mon corps. Et lorsque Daniel m'a dit Dénéa, il prend monsieur ensemble avec lui. L'année de la prière. Et la Bible a dit, dans une soirée comme ça. On a mis sur la prière, la demandé pour Dieu secours, pour Dieu descendre dans sa salle là. Il dit Daniel, mais qui songe à faire, mes explications sont là. Amen. Et Daniel est levé, il dit bon Dieu merci, et prend monsieur la loi. Il a levé, il dit mon roi, mais tel songe. Et avant même, il dit ça. Il dit, c'est pas moi, mais non, moi. Il dit, ben là, ça, les hommes pas cachent. Il dit, mais bon Dieu dans le ciel là. C'est lui qui m'a servi. Et c'est bon Dieu ça qui baille explication
songe ça que tu fais. Et il dit, wa, ne sortez ouais, ne sortez ouais, ne sortez ouais, mais ça lui dit, mais ça lui dit. Et la Bible a dit, wa tellement saisi, et wa dit, mon cher, peut-être, révélation ça, ou tu vas wa, ou pas capable. Daniel, bon Dieu, a élevé Daniel. Parce que Daniel, il connaît de nos courses. Il était kébé. Et bon Dieu, a enlevé l'entité. Ou a pas dit, si bon monde qui va tomber ensemble avec moi, c'est vous-même. Et on dit, nous, Daniel va montrer. Et bien, dans verset 26 là, soit pris, dans Daniel chapitre 2, il dit, le roi a pris la parole, dit à Daniel, qu'on nous met à ça. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit, en présence du roi, dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révélait les secrets à qui a fait connaître au roi le visage des anges qui arrivera. De la suite des temps. Continuez-vous. Dis-y, wa, meni, mes rêves-là, meni. Et on dit, nous, wa étonné, wa saisi, wa dit Daniel, à partir du jour d'hier. Les places qui vous réservent. Et ça me met dans le texte-là. Lorsque wa, lui placer Daniel dans la position ça, Daniel changeait messieurs qui étaient ensemble avec qui étaient la prière. Il dit, Daniel, vous pouvez voir la province. Vous voyez, vous allez diriger en province parce que dès que ça a eu, vous êtes là, ensemble avec moi, vous avez la prière ensemble avec moi. Maintenant, vous même qui désire remporter la victoire. Vous êtes discipliné la vie. Par des comment, par un chrétien dans la Bible qui a réussi à vivre, c'est pas discipliné la vie. Par des comment, pour réussir la vie, sous vague. Surtout vie spirituelle. La vie spirituelle. Reporter victoire sous quoi ça? Pas oublier, la Bible dit nous, désir quoi, désir chair, le contraire avec désir l'esprit. Ils ont opposé. Mais pour nous, il y a des désirs qui approuvent. C'est le désir de la chair et le désir de l'esprit. Mais pour nous, même sur ma composition. Vous connaissez, vous dites, ou non pousse, et vous courir de manière pour remporter le prix. Et lorsque vous pousse ça, son pousse personnel, son relation intime ou besoin avec mon Dieu, pour remporter victoire ça. Lorsque on a pour cela, il y a un peu de bagaille qui a fini pour les vieux. Il y a un peu de bagaille qui a fini pour vos petits, qui vous distraire, qui vous éloigner. Mais on a besoin de se connaître pour fixer les yeux sur Jésus. Et en les regards, fixer sur Jésus, le chef et le rémunérateur de la foi. C'est comme ça lorsque l'apôtre Pierre a marché sur la mer, l'a avancé vers Dieu Jésus. Il a dit immédiatement Pierre, mettez les yeux sur Jésus-Christ, regardez la mer, il blanchit. Par que comment vous avancez sur les yeux sur Jésus-Christ.
va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que moi. Pas de leur chemin, pas de leur formule, pas de leur moyen pour le monde rentrer dans le ciel, c'est passer par Jésus-Christ. Parce que Adam était en baillon, nous étions perdus dans les jardins d'Éden. Et c'est lui-même qui m'a fait plein de rédemption, hein, qui m'a réconcilié nous avec Dieu. Et réconciliation, ça, il fait avec sang. C'est pas l'argent, c'est pas l'or, mais c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Lorsque sans ça, il est la vie. Lorsque grâce à ça, il est la vie, on est capable d'avancer de victoire en victoire. Lorsqu'on discipline la vie, lorsqu'on baille la vie, on précise. Lorsqu'on impose et on précise avec la vie, pour la prière, pour lire la Bible, pour marcher fidèle avec mon Dieu, laisse ça. Bon Dieu, il y a des bagages extraordinaires. Même j'ai été fait avec Daniel. Daniel disciplinait la vie. Il dit, mangez ça, pas pour nous. Monsieur qui a fait sport, il a mangé, il n'a pas mangé. Footballeur, il a mangé, il n'a pas mangé. Bon, quand c'était des poids, il n'a pas de baiser. Il va de toi loup. Mais de nos jours, nous voyons un pile chrétien loup. Un pile chrétien ou un assoupissement. Et dans Matthieu chapitre 25, la Bible a montré nous qu'il y a 10 vierges. Il y a 5 qui ont discipliné la vie. Mais il y a 5 qui ont discipliné la vie. Et on dit nous. Il y a 10 vierges qui sont dans nos chambres, qui ont tant d'époux qui sont pour venir. Et 10 vierges, ça représente l'Église. Et pour moi, c'est Jésus-Christ. Pendant l'Église, a tant Jésus. Verset, non, Matthieu 25 dit, et pour moi, prend temps pour venir, tous s'assoupirent et s'endormirent. Puisque l'Église attend Christ. Christ pour un temps pour venir. Nous disons tout. Il y a un assoupissement qui tombe sur nous et abdomen. Et nous disons que c'est qui va t'abdomen. Parce que nous connaissons, nous rendons. Et nous planifions la vie. Nous disons. Il y a le gaz dans l'ampio. Non seulement il y a dans l'ampio, mais il y a dans les ailes. Combien de monde matin qui a gaz dans les ailes? Combien de monde matin qui a dans les ailes? Vous pouvez poser la vie aux questions ça. Il y a 5 qui a gaz dans les ailes. Et on dit nous bien sec, vous gaspillez gaz par yon. Vous bambochez. Gaz par yon a passé mal. Et on dit l'état précieux est arrivé. L'état a besoin de gaz d'arrivé. L'homme n'a pas allumé. Pas de gaz. Et on dit au cours de la nuit, vous criez voici le pou. Parce que le pou apparaît, c'est seulement sec. Du joël qui te kembe la vie lui-même qui te gen gaz et qui te gaz en réserve. Et gaz a symbolisé le Saint-Esprit. Alléluia. Présence de Dieu dans votre vie. Et vous qui prenez du présent de mon Dieu dans tout ça. Il est difficile pour jouer encore. Ou à jouer une vie difficile. Ou à vous mettre en pile. Parce que dans le temps, ça va vivre là.
présence bon Dieu vient là. Yes. Amen. Onction vient là. Puissance de vient là. Nous avons besoin pour nous nos courses. Pour courir d'une manière à rapporter le pas. Vous pouvez toujours faire une fois au venir le matin. Vous pouvez toujours faire une fois au participer dans le service. Ou à courir, ou célébrer. Mais est-ce que celle-là va nous être amère? Est-ce qu'on courir de façon pour rapporter le pas? Ça fait Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a vérifié le royaume. Mais c'est le monde qui respecte le nom, le principe, qui obéit avec la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que mes gens, est-ce que nous sommes capables de compter sur vous pour nous dire oui, la moyen de gaz. Et non seulement de gaz, mais de gaz de réserve. Parce que des vents qui ont soufflé, des bagages qui ont fini, des maladies qui ont fini, des épidémies qui ont fini, c'est l'emploi pour les gaz. Ce n'est pas de réserve, pas de résister. On va faire les choses. Et pendant un moment, pas de mise à nous, nous avons exemple. L'église fermée. L'église fermée. Et la science fait qu'on est pendant un moment, pas de mise à nous. En pile, allez, en pile, perdu. En pile, nous tombons dans le péché. Mais il y a un monde pendant un moment, pas de mise à nous. Il y a vous qui avez déjà pour l'évangile de la terre. Parce que vous connaissez nos luttes. Vous connaissez nos batailles. Pour nous terminer, apôtre Paul dit avec Timothée, exercice corporel là est bon. Il dit, mais exercice qui est bien important. C'est exercice lorsque vous avez tête, il y a un devoir, il y a une mission pour chercher la présence de Dieu. Et exercice ça n'est pas facile pour lire la Bible, exercice pour la prière n'est pas facile. Et c'est ça, Satan connaît. Il y a toujours des découragements. Et ça, j'aime l'utiliser, ces découragements. Il faut toujours décourager, on l'appelle dominager. On peut arrêter la télévision, on fait une année de temps, deux années de temps. On peut arrêter sur les réseaux sociaux. On fait une année de temps. Mais immédiatement, ouvre la Bible. Domination. C'est parce que l'ennemi en connaît pour délivrer. C'est dans la Bible. On nous lit Josué 1er. Pour réussir vivre, pas de comment pour un chrétien réussir vivre, c'est pas basé sur la parole de Dieu. Josué 1er, verset 8. C'est pour parole qui dans l'île de la loi, toujours dans le bouchon. C'est pour calculer dans notre tout, l'ajouter pour la nuit. Pour qu'à vivre d'après ça qui est écrit dans le livre là, c'est pour ça qu'on va mener bas ou bien, tout ça fait on va marcher bien. Yes. Amen. Amen. Par comment? Avant de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Elle dit méditez-le jour et nuit. Il dit, afin que vous capable de prospérer, vous capable de réussir à tous égards. Il y a des gens qui prennent réussite là pour caille.
Il y a un monde qui prend réussite là pour machine. Mais réussite là, c'est lorsque la trompette a sonné. Et puis l'église en fait. C'est là notre réussite. Mais si la trompette a sonné, ou pour enlever, mal côté riche, ou échoué, ou fait zéro, ou pas réussi. Ou pas réussi. Les affaires Jésus-Christ pas dit que c'est-il un homme de gagner tout le monde. Que c'est-il un homme de gagner tout le monde? Ou même si tu n'es plus la croix là, ou t'as senti au milieu. Mais que c'est-il à ou même si tu as dit seulement parti, parti plus la croix là pour? Et puis lorsque ton père t'a sonné, ou perdu. C'est quitter les yeux sur Jésus. Ennemi, on y met la petite ennemi, on a fini avec un paquet de bataille pour le faire oublier sur nos courses. Et Paul dit c'est pour nous travailler de mieux en mieux, des progrès en progrès, des succès en succès, des efforts en efforts. Chaque jour, c'est pour efforcer de mieux en mieux. Au fur et à mesure, travaillez de mieux en mieux. Efforcez-vous de présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas réagi. Efforcez-vous. Vous n'êtes pas facile. Ce n'est pas facile. Mais efforcez-vous. Parce que pour cela, ce n'est pas facile. Et tout le monde a couru, mais son seul. Lorsque il y a une Coupe du Monde, vous prenez pas 30 combien de pays sont certains champions. Total est champion. Mais c'est ça bien préparé. C'est les gars champions. Combien de monde qui t'a aimé un champion matin? Tout le monde t'a aimé champion. Mais pour champion, il m'a donné préparation. Tout le monde t'a aimé faire succès. Mais pour faire succès, il m'a donné une discipline, une préparation. Même dans le foyer, il a besoin de discipline. Même dans la vie alimentaire, nous sommes à manger, il a besoin de discipline. Même la vie spirituelle, j'ai toute semaine parce que tu as prêché sur ma destruction spirituelle là. Sous par une discipline, ou une malédiction spirituelle. Si vous pas discipliné, ou à quoi tu encore spirituellement. Toutes les lettres où je vais nous voir, tout message où je vais nous tendre, ou à chicata, ou à quoi tu encore. Mon besoin dans l'évangile qui ferme, qui solide. Et me dit ça. Yo chrétien bouche pas bien trop court. Amen. Yes. Yo chrétien bouche pas bien trop court. Si bouche Daniel était court, il va la priver. Okay. Parce que monsieur a dit non. Si bouche Moïse découvre, il va sortir la caille pharaon. Parce qu'on a une maison qui est roi. La pied vive, la pied manger. Mais la Bible a dit Moïse, il sortit la caille pharaon. Il quitte la maison. Alléluia. Et bien, la bouche Moïse, il faut vous détacher. Faut tout quitter. Parce que Christ dit, souvenez, suivez-moi. Changez-moi. Je vais aller avec vous. Faut vous détacher.
qui sont avec David fait. Lorsque David péché, bon Dieu voulait Nathan pour David. Non seulement David commet adultère, David commet meurtre, il tue Uri, il prend madame, il tue Uri, parce que c'est le foyer Uri, côté pour placer Uri dans la bataille là. Lorsque Uri mourit, David connaît sa fin. Bon Dieu voulait Nathan à chercher David. Lorsque Nathan est arrivé, il dit: David, mon cher, mon désordre qui fait dans un homme. Vous prenez qui est un pile mouton. Vous m'allez qu'on sait le mouton. Il dit: mais prenez là, mon monde qui vient ouais, qui vient visiter, qui vient la caille. Qui ça prenez là fait? Là, il prend 7 moutons malheureux. Il tout rien fait manger par le monde qui vient ouais. David, oh! Next à son péché, next à elle était mourir. Et puis, Nathan dit: mon cher, si on fait ça. Alléluia. Il ne dit pas qu'il l'a, mon nom, c'est au même. Mais comment? Il dit: mais son frère. Au point, Bathsheba, David dit: papa, allez, papa, allez, papa, allez, papa, allez, papa. Il est détaché. Il dit: Seigneur. J'ai péché dans le passé. J'ai fait ce qui est mal à tes. Alléluia. Il dit: si tu es voulu des sacrifices, j'ai tant d'honneur à faire. Mais les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Écoutez, combien mon matin qui fait le esprit brisé? Alléluia. Il y a mon bagage à nommer la planète. C'est lui qui fait la plaie. Mais David dit: oui, c'est moi. Et là, il écoute devant mon Dieu. Et l'Éternel dit: je suis David. Alléluia. C'est ça qu'on a cherché dans mon matin. C'est ça qu'on a cherché. Il besoin aussi mon cœur. Il a besoin pour repentir, pour dire oui. Lorsque David va faire ça, on va loin. Malgré bon Dieu, pardonner David. David va payer les conséquences. Vous avez nous. Péché a des conséquences. Péché, on va tous là. Il y a une conséquence qui est amère. La Bible a dit: petit là, il est mouillé. Petit là, tu es battu ensemble, il est mouillé. Non seulement petit là, mouillé, il y a une famille David. Il y a un désordre qui est créé, il y a une tête en bas de la famille David. Mais bon Dieu, il fait David grâce. Parce que David te cherchait. La présence et la grâce de Dieu. Et David te reconnaissait. Et par comment pour jouer une faveur, bon Dieu, si tu ne reconnais pas péché. Dans Proverbe 28, verset 13, il dit: mon cap caché péché, pas chambre à faire au marché. Proverbe 28. Verset 13. Mon cap caché péché, pas j'en vois à faire marché. Mais bon Dieu, pas qu'il y ait pitié pour mon qui reconnaît péché, pour mon qui change la vie. Non seulement vous reconnaître, mon besoin change. Il y a mon qui reconnaît péché à vous, mais pas encore pour changer. Et il dit: pas de comment pour une faveur, pour une grâce. Et au te dit: s'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. S'il nous voit
cessez. Ne cherchez mon Dieu. La mettez en liberté. La mettez en liberté. Alléluia. Nous tous besoin de liberté. Nous soif liberté. Nous soif sortir en bas péché. Mais Dieu besoin de cœur sincère. Qu'on cherche la sainteté. Qu'on dit péché nous. Qu'on cherche la sanctification. Qu'on cherche la présence de Dieu. Si nous parlons sincère, à chercher la sainteté, ou bien nous chercher la sainteté matin. Répétez sainteté. 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 Alléluia. S'il nous voit,